Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, 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 comment ça va? La 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 la. Voilà, maintenant, cette fois, presque en hiver. Et bientôt, dans quelques jours, ça sera vraiment l'hiver. Et dans quelques jours, ce sera aussi Noël. On a déjà passé 3 dimanches de Noël. 1, 2, 3 dimanches avant Noël. Les 3 dimanches de l'Avent, du Adventzeit. Alors on a allumé les petites bougies parce qu'il fait très noir en ce moment, très nuit. Les jours sont très courts. On peut chanter ensemble. Doucement, doucement, doucement s'en va le jour. Doucement, doucement, à pas de doucement, doucement, doucement s'en va le jour. Doucement, doucement, à pas de velours. Et dehors, maintenant, il fait très très froid. Vraiment très froid. Alors on doit mettre, vous vous souvenez, la combi maison. Pour avoir bien chaud. Je mets ma combi maison. Je passe les pieds, je passe les bras. La fermeture au menton et le bonnet pour faire le toit. Là dans ma combi maison, je n'aurai plus jamais froid. J'ai fermé tous les boutons et je me sens comme chez moi. Je mets ma combi maison, je passe mes pieds, je passe mes bras, la fermeture au menton et le bonnet pour faire le toit. Là dans ma combi maison, je n'aurai plus jamais froid. J'ai fermé tous les boutons et je me sens comme chez moi. Je passe les pieds, je passe les bras, la fermeture au menton et le bonnet pour faire le toit. Là dans ma combinaison, je n'aurai plus jamais froid. J'ai fermé tous les boutons et je me sens comme chez moi. On doit mettre la combinaison pour avoir bien chaud et se réchauffer parce que l'hiver est arrivé. Et en hiver, il y a la neige qui tombe sur les arbres. La neige va peut-être bientôt arriver, comme il fait froid. En hiver aussi, qu'est-ce que c'est cette bête? C'est le renne du Père Noël. Qui va bientôt venir. Alors, on doit préparer un sapin, un joli sapin avec plein de décorations. En hiver, on doit manger des bonnes soupes bien chaudes pour se réchauffer.
En hiver, on peut aller dans la neige et faire du ski. En hiver, on doit mettre des habits bien chauds. Des gants, des bonnets, la combinaison. Et en hiver, on va recevoir des cadeaux. On peut décorer sa maison avec du hou. Et avec des branches de sapin. Et pour terminer, voilà de nouveau la neige. Parce que la neige va t'arriver. On va chanter la neige. Neige, neige blanche, tombe sur mes manches et sur mon tout petit nez qui est tout mouillé. Neige, neige blanche, tombe sur ma tête et sur mes petits souliers qui sont tout gelés. Neige, neige blanche, viens que je te mange. Pose-toi tout doucement comme un petit fondant. Encore une fois avec l'accordéon. Neige, neige blanche, tombe sur mes manches et sur mon tout petit nez qui est tout mouillé. Neige, neige blanche, tombe sur ma tête et sur mes petits souliers qui sont tout gelés. Neige, neige blanche, viens que je te mange. Pose-toi tout doucement comme un petit fondant. Vous allez voir, quand la neige va tomber, on peut la manger. C'est tout froid, comme un petit glaçon. Et voilà notre cube qui ressemble à un sapin. Et on peut le décorer. Voilà, on va mettre une décoration comme ça. Hop. Voilà la décoration de notre tour, de notre sapin. J'espère que vous avez aussi décoré votre sapin. Alors, il faut que je vous raconte une histoire avec Petit Pouce. Parce que Petit Pouce, vous savez, n'aime pas Noël. Et il nous est arrivé une drôle d'aventure avec Petit Pouce. Voilà ce qui nous est arrivé. Je l'avais appelé, comme d'habitude, on va l'appeler. Toc, 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 Petit Pouce, tu viens? Non, j'ai pas envie. Ben voilà, comme d'habitude. Alors, j'ai insisté. Toc, 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 Petit Pouce, allez, viens, viens avec nous. Non, non et non. Je sais que Petit Pouce n'aime pas Noël. Toc, 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 Petit Pouce, allez, viens. Pourquoi tu veux pas venir? Pourquoi? Non, il fait trop froid, trop nuit. Ah, c'est ça. Il fait froid, il fait nuit. Mais on sait ce qui peut le réchauffer, n'est-ce pas? Ce qui peut le réchauffer, c'est de danser. Toc, 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 Petit Pouce, allez, viens, viens. Viens, on va danser pour se réchauffer. Bon, d'accord, je viens. Et voilà que Petit Pouce est venu et qu'on a pu le faire danser. Vous le faites danser avec moi? Un petit pouce qui danse, un petit pouce qui danse, un petit pouce qui danse et ça suffit pour m'amuser. Et deux. Deux petits pouces qui dansent, deux petits pouces qui dansent. Deux petits pouces qui dansent, ça suffit pour m'amuser. Et puis, on fait venir aussi les autres doigts. Maman, bonjour maman. Papa, bonjour papa.
Grande sœur, bonjour grande sœur. Petit frère, bonjour petit frère. Et on fait danser toute la main. Une petite main qui danse, une petite main qui danse, une petite main qui danse, et ça suffit pour m'amuser. Et deux. Deux petites mains qui dansent, deux petites mains qui dansent, deux petites mains qui dansent, et ça suffit pour m'amuser. Et puis qu'est-ce qu'on fait danser après? On fait danser la tête. Une petite tête qui danse, une petite tête qui danse, une petite tête qui danse, et ça suffit pour m'amuser. Et puis on fait danser les épaules. Deux petites épaules qui dansent, deux petites épaules qui dansent, deux petites épaules qui dansent, et ça suffit pour m'amuser. Et les jambes? Allez, les jambes. Deux petites jambes qui dansent, deux petites jambes qui dansent, deux petites jambes qui dansent, et ça suffit pour m'amuser. Mais voilà, malgré la danse, petit pouce, ce jour-là, n'était pas content. Parce que il me disait qu'il avait trop froid. Il a trop froid, petit pouce. Il est toujours dans le froid comme ça, et il est toujours tout bleu. Il n'a pas envie que ce soit Noël. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour Noël, petit pouce? Eh ben, j'ai réservé un voyage dans le chaud. Petit pouce veut voyager là où il fait chaud. C'est vrai? Alors il a réservé un très beau voyage. Et alors quand est-ce que tu pars? Eh ben, j'attends mes billets. Ah, il attend ses billets. Ses billets d'avion. Mais est-ce qu'ils vont arriver? Ben, je sais pas, le facteur doit me les apporter. Le facteur? Mais le facteur n'est pas passé depuis longtemps. Par nous? On n'a pas de nouvelles. Je ne sais pas si tu vas les avoir à temps. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le jardinier. Le jardinier est arrivé. Bonjour, je viens vous donner des nouvelles du facteur. Mais il était tout froid, le jardinier. Alors on a commencé par lui offrir un bon chocolat chaud. Chaud, chocolat chaud. Chocolat chaud, 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 chocolat. 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 Et comme ça. Chaud chocolat, 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 chaud chocolat. Et voilà qu'il était un peu réchauffé, le jardinier, parce qu'à passer toute la journée dans le jardin, il avait froid. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Alors, quelles sont les nouvelles du facteur? Et en fait, le jardinier est venu nous raconter que le facteur était à l'hôpital. Il s'était cassé le bout du nez. Mais je crois que vous connaissez l'histoire. Hein? On va la rechanter une fois pour se rappeler. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Sa maison est en carton, ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier. Le
premier qui montera. Pirouette, cacahuète, le premier qui montera se cassera le bout du nez, se cassera le bout du nez. Et le facteur est arrivé. Le facteur y est monté. Pirouette, cacahuète, le facteur y est monté. À nouveau, il s'est cassé le bout du nez. Il s'est cassé le bout du nez. Et c'est comme ça qu'il a fini à l'hôpital. On lui a raccommodé. Pirouette, cacahuète, on lui a raccommodé. Avec du joli fil doré, avec du joli fil doré. Comme ça. Mais le fil s'est cassé. Pirouette, cacahuète, mais le fil s'est cassé. Le bout du nez s'est envolé, le bout du nez s'est envolé. Et voilà que l'avion qu'attendait le petit pouce pour partir en vacances dans les pays chauds, est passé. Un avion à réaction, pirouette, cacahuète, un avion à réaction, à rattraper le bout du nez, à rattraper le bout du nez. Mon histoire est terminée, pirouette, cacahuète, mon histoire est terminée. Messieurs, mesdames, applaudissez, messieurs, mesdames, applaudissez. Et voilà, petit pouce, tu peux plus partir en vacances dans les pays chauds. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant que tu es obligé de rester ici à Noël. Et c'est comme ça que petit pouce était très triste. Mais c'est alors qu'on a reçu un coup de téléphone. Allô? Oui? Oh, Père Noël! Oui, ah bah très... Oui, enchanté. Oui, bien sûr. Si je peux vous aider à Noël. Oui, d'accord. Je peux venir... Est-ce que je peux venir avec Petit Pouce? Oui? D'accord. Alors oui, bien sûr, on va venir vous aider à emballer les cadeaux. D'accord. À très bientôt, Père Noël. Et c'est comme ça que Petit Pouce et moi, on est partis aider le Père Noël. Alors on a pris un gros bateau, un gros navire, pour partir à travers la mer du Nord, pour aller tout au nord dans le pays du Père Noël. Il était un petit navire, était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, 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 matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots. Il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage sur la mer Ost-Ost-Ost-Zé, sur la mer Ost-Ost-Ost-Zé. Matelot navigue sur les flots.
arrivés dans le pays du Père Noël. Dans un paysage tout froid, encore plus froid, plein de neige et plein de vent. Alors forcément, Petit Pouce avait très très froid. Il fallait vite qu'on aille se réchauffer. Alors on a frappé à la porte d'une maisonnette. Et c'était la maisonnette du grand cerf qui s'était préparé spécialement pour Noël. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez bien, me serrer la main. Vous refaites une fois avec moi? Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Toc, toc, toc. Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre et viens me serrer la main. Et chez le grand cerf, ou plutôt chez le grand renne, on a pu se réchauffer. Et on lui a demandé, grand cerf, grand renne, où se trouve le Père Noël? Tu sais, le petit bonhomme. L'as-tu vu, l'as-tu vu, le petit bonhomme, le petit bonhomme. L'as-tu vu, l'as-tu vu, le petit bonhomme au chapeau pointu. Il s'appelle Père Noël, par la cheminée, par la cheminée. Il s'appelle Père Noël, par la cheminée, descendra du ciel. Il rapporte des joujoux, il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte. Il rapporte des joujoux, il en a plein sa hotte, et c'est pour vous. Et le grand cerf a dit, mais bien sûr que je sais où se trouve le Père Noël. Le Père Noël se trouve là où il y a le grand sapin plein de décorations. Alors on a marché jusqu'au grand sapin. Et il faisait froid, il y avait du vent. C'était le vent d'hiver. Vive le vent, d'hiver. Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches nous chante la romance qu'on chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Encore une fois avec moi. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ces clochettes, c'était le traîneau du Père Noël, certainement. Alors on s'est approché et on a vu le grand sapin
de Noël. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Oh mon sapin, oh qu'ils sont doux, et tes bonbons, et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous, au saint anniversaire. Et je suis sûre que vous la connaissez aussi en allemand. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur im Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün ist deine Blätter. Et sous le sapin, il y avait tous les cadeaux à emballer. Alors on a aidé le Père Noël, il avait une très grosse hotte avec plein de cadeaux à emmener dans sa hotte. Et il allait les distribuer. Les distribuer à qui ? À vous peut-être. Alors pour le remercier, je pense qu'on peut lui chanter la chanson du Père Noël. Vous connaissez la chanson du petit Papa Noël ? C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprise. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter,
demain matin. Mets-toi vite, vite en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord dans notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël. Et voilà le Père Noël qui va bientôt passer et vous amener peut-être les cadeaux que vous avez commandés. Alors pour terminer, parce qu'on ne se revoit que l'année prochaine, on va chanter une dernière chanson sur Noël qui s'appelle Le Noël Blanc. Alors vous pouvez prendre, si vous avez vos maracas, vos instruments, vos peluches qui peuvent danser. Oh, quand j'entends chanter avec moi. L'année prochaine. Au revoir, au revoir, au revoir à l'année prochaine. La 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 la